Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va, d'accord, ça va. Alors, pas m'énerver aujourd'hui. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Bah oui, bien tout en me faisant une tronche parce qu'alors là, je ressemble à un... Je sais pas. Chercher des affaires. Je disais donc, ouais, c'est une journée qui a mal commencé. Alors, on va faire un chit-chat beauté. Pas du tout. Chit-chat make-up. Je vais y arriver. Ah, il faut quand même que tu me fasses une tête mieux que ça. Je suis... Excusez-moi. Alors, j'ai pris une trousse dans laquelle j'avais mis plein de trucs. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, on va faire Vetkia. C'est-à-dire qu'on va mettre du Vita Lumière de Chanel. Aussi bien, je ne vais pas bouger de la journée. On va le remuer, on ne sait jamais. Vous voyez, j'ai fait gagner le même dans une autre teinte. Je ne sais plus qui l'a gagné d'ailleurs. C'était quand j'avais fait deux très jolis concours. Ouh là, j'en ai peut-être mis beaucoup. On ne mettra pas tout. On n'y voit pas grand-chose hein, aujourd'hui. Voilà. C'est tombé sur l'ordi. Oui, j'avais fait ce concours-là et le concours du livre. Dès les derniers concours que j'ai fait. On va arrêter un peu les concours là. Because. Moi, il y en a plein qui font des concours pour Noël. Moi, je ne ferai pas pour Noël parce que. À plus de sous déjà. Ouais, je sais. Bon, je mets au hasard Balthazar. J'ai une serviette à côté de moi, heureusement, parce que vu le pull blanc scintillant que j'ai, d'ailleurs, quand on est en... vous voyez bien. Bref, c'est mon pull nounours que j'avais acheté de Dormi Mimille chez mon buraliste. Attendez, je cherche mes pinceaux qui sont lavés, donc ils sont dans un pot complètement serré. Je prends, comme d'habitude, ma brosse. On va bien étaler là parce que ça paraît foncé, mais ça ne le sera pas du tout, les enfants. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi je suis énervée. Ce matin, j'ai fait un peu mes sourcils. Enfin, je suis énervée parce que hier, mon fils, on va encore parler de mon fils. Oui, je sais, mais vous savez, c'est ma préoccupation principale. Si vous saviez, si vous saviez, enfin, vous en doutez, vous le savez depuis le temps que j'en parle. Hier, non, pas hier du tout, la semaine dernière, je lui ai dit, écoute, si ça te dit, on ira au marché de Noël. L'année dernière, nous étions déjà allés. Il fait pas Noël, lui, mais marché de Noël, ça n'a rien de religieux, je veux dire. Au contraire, c'est très commercial. Et l'année dernière, on était allés tous les deux, et c'était très sympa. Il m'avait payé une gaufre qu'on avait mangée assis sur les escaliers, j'ai trouvé ça rigolo. Bon, on va pas descendre trop dans le coup à cause du pull que j'ai, hein. Donc, la semaine dernière, je lui ai dit, tiens, si on referait bien, je referais bien la même chose. Mais, et je lui ai dit, on irait samedi. Parce que dimanche étant le 8 décembre, à Lyon, c'est pas possible. 8 décembre, c'est la fête des Lumières. Enfin, maintenant, ce sont, ils font 4 jours. D'où le bordel aujourd'hui. Toute la presqu'île est fermée. Voiture. Alors, c'est bien pour les piétons, mais pas pour les handicapés. Parce qu'il faut que tu te gares à Tadaoui-les-Bains. Bon, moi ça va, je peux marcher à peu près. Bon, chéri, lui, de toute façon, il est hors de question qu'il vienne avec mon fils. Ouais, ils sont toujours en bisbis. Bisbis, c'est ça, je crois qu'on dit. Bon, j'arrête de. Ma peau n'y est pour rien, Florence. Ta peau n'a rien fait. Bref, et puis, hier, donc, il me dit, maman, t'es toujours d'accord? Je lui dis, ah oui. Et puis après, en parlant avec mon chéri d'amour, l'autre, Rémi. Oui, pour les nouveaux qui arriveraient sur cette chaîne, ils ne comprendraient pas ce que je dis. Mon fils s'appelle Rémi, avec un I. Parce que mon enfant, mes enfants, je les ai vus avec un précédent compagnon. Avec qui je suis resté 11 ans. Pourquoi je dis? A strictement aucun intérêt. Et ensuite, après m'être séparé du papa des enfants, quand les enfants étaient tout petits, ouais. Bah oui, en
envie de vivre une adolescence trop tardive. Ouais, vous savez, moi, je fais jamais les choses comme tout le monde. Bref, donc, c'est moi qui suis partie. Je trouve que c'est... là, je vais mettre un peu d'anticerne, parce que j'ai envie de me papouiller carrément, qui est le Boing Boing, Boing Boing, de chez Benefit. Qui est très très bien, sauf que moi, il a séché depuis le temps que je l'ai. Mais, quand vous le chauffez avec votre doigt, ça redevient plus ou moins correct. Pour moi, j'en mets bien ici de façon à essayer d'atténuer cette poche de peau là. Bref, j'en reviens à mon fils. Oui, mais un t-shirt make-up, c'est le Beans. Hein. Alors déjà que moi, c'est mes vidéos, c'est un Beans international. Je vous dis que j'y vois rien. Hein. Excusez-moi, je suis là. J'ai vu là. Bon, je suis cool. Bah oui, mais moi, il faut que quand je vais bien, il faut que je rigole. D'ailleurs, tiens, je vous prépare une vidéo sur l'autodérision et l'intérêt de l'autodérision. La guérison grâce à l'autodérision. Oh, c'est beau ce que je viens de dire. Et je me suis perdu, oui, donc mon fils. Bref. Et puis donc, je dis oui. Et hier soir, donc, en discutant avec Chéri, donc qui s'appelle également Rémi, avec un Y, que j'ai rencontré après avoir eu mon fils, dont mon fils et mon compagnon depuis 25 ans ont le même prénom, mais qui ne s'écrit pas pareil. Donc, ça, c'est parfois pas évident. Quand il était petit, il n'était pas grand. De montrer mon cul à tous les passants. Ça, c'est une chanson dont on va pas nous chanter. Ouh là là, cette vidéo va être bordélique. Là, je suis en train de mettre tous mes doigts dans le concealer. Et donc, oui, donc hier en papotant, chérie me dit, mais tu es pas un peu folle, toi? Je dis, gros, si. Parce que mon fils roule, oui je sais, c'est très mal, vous allez me juger, non, me jugez pas, hein. Ni lui, ni moi d'ailleurs. Si à la limite, lui, vous pouvez le juger, pas mon mari, mon fils. Mon fils roule sans permis, parce qu'il a perdu tous ses points, malgré tout ce que j'ai pu lui donner. J'espère qu'il n'y a aucun flic qui me regarde. Je dis non, putain, putain. Sincèrement, mon permis il sert à rien, j'avais 12 points, donc autant rendre service aux gens qu'on aime. Je lui ai donné, donc je n'ai pas vendu. Bref, je m'égare, donc je pose l'anti-brouillard, je vais dire. Et je vais reprendre mon pinceau pour bien être sûr que mon concealer a bien fusionné avec ma peau. Là, vers le haut, de façon à estomper cette ride qui est la plus vilaine chez moi, puisque je crois que c'est à peu près la seule. Non, j'exagère, j'en ai d'autres. Ouais. Là, ici, des petites rides. Pas grave. Bon, plus la grosse qui est fichée là, mais elle m'en fout. Moi, je fais quoi? Je sais pas. Je suis énervée, donc voilà. Quand je suis énervée, soit je rigole, soit je me venge sur moi-même. Au moins, j'emmerde pas le monde. À part vous. Oui, donc. Chérie, mais t'es pas frappadingue, toi, d'aller rouler dans une voiture, pas assurée, non, pas assurée, c'est pas ça, avec un garçon qui conduit une voiture alors qu'il a plus le permis, avec tous les flics qu'il va y avoir, marché de Noël, donc beaucoup de flics, plus aujourd'hui le bordel avec ces gilets jaunes et tous les autres grévistes avec lesquels je suis d'accord sur le fond. Bref. Chérie me dit, vous prenez des risques. Il dit, ouais, et si vous êtes planté pas au milieu, qu'est-ce que vous allez faire? Si on dit à Rémi que sa voiture est... Il lui garde sa voiture. Bon, en fait, à voir qu'il n'y a carrément pas de bus et métro. Chérie me dit, moi, je ne viendrai pas vous chercher parce que nous, on a une voiture avec... Vous savez, c'est un bordel chez nous, les voitures. On a une voiture qui a un pot d'échappement complètement foutu. Et comme c'est sur une vieille bagnole qu'on est censé changer depuis un grand moment, avec les sous que j'attends, vous allez dire, cette pauvre fille, elle est pauvresse, elle est pauvresse. Bah oui, non, je ne suis pas pauvresse du tout. Il y a des choses qui passent avant
certaines choses. Oh, c'est clair ce que je veux dire. Oh, je suis perdu, vous voyez? Attendez, je vais reviendre. Vous savez, le teint, c'est ce que je préfère faire dans le maquillage. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près tout ce que je vais faire. Voilà, donc je fonds bien tout ensemble. Ouais, donc, je me dis, c'est pas une bonne idée. S'il arrive quelque chose, imagine le bazar. Et surtout, imagine que vous ayez un accident. Alors, si c'est que du matériel, c'est pas grave, alors il mise des mémoires. Mon fils a des mémoires. Ton fils a des mémoires. C'est mes chéris qui parlent. Ton fils a des mémoires. Mais si jamais il y a quelque chose de plus grave pour les autres, c'est-à-dire, on ne sait jamais, dans la foule, il peut y avoir une mauvaise. Quelqu'un qui passe à la bagnole, enfin, vous savez, bon, tout est possible. Et tout aussi est impossible, je veux dire. Il faut aussi ne rien ne passer. Bon, là, 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 là. 11 minutes. J'ai tellement frotté, j'ai la tête qui me brûle. Maintenant, on va mettre. Normalement, il faudrait que nous mettions une poudre pour un peu faire tenir tout ça. Et on va donc utiliser, puisque c'est dans la barquette, dans la pochette, le. Bon, bah oui, hein, écoute, on est riche ou pas? On est riche pour le maquillage et on est pauvre pour la voiture. Non, non, je ne suis pas riche en maquillage. C'est parce qu'on me les a offerts. Des amours d'amour, ma quinze honnête, bobinette. Bref, attendez. Les gens qui viennent, qui ne connaissent pas, ils se tiennent les barges. Tu me diras en même temps, il ne doit pas y avoir énormément qui viennent parce qu'en ce moment, je n'arrive pas à lire avec la lumière qui me gêne. C'est le Dior Skin Nutan Light de chez Dior, donc, qui est une. On voit absolument rien derrière, vous voyez. On m'a essuyé sur mon pantalon. Une sorte de pantalon en velours noir. C'est bien de poser un truc dessus. Sinon, c'est pour rester à la maison. Ouais, donc, c'est une poudre. Poudre, couleur et éclat. On va arriver à lire. Hein. Regardez donc. Comment. Ouais, et puis en plus, c'est. Comment tu dis là-dedans, toi tu dis. Alors, ce qui est écrit en plus gros en haut, tu peux, mais tout en dessous, là. Vous voyez, des petites. Il n'y a rien de tout. Même si je mets en plus dans le miroir, c'est à l'envers. Bon, bref. C'est ce genre de poudre qui est un peu plus foncé et un peu plus clair. Moi, je patouille dedans. Hein. Et si j'en reviens à mon fils. Et ça, je suis un peu calmée, c'est marrant. Je prends un pinceau fluffy comme ça. C'est le brush. À chaque fois, je dis brush de chez Real Techniques, créé par Sam et Nick Chapman, des youtubeuses, des maquilleuses professionnelles, américaines évidemment. Donc là, on patouille et on tape pour enlever le trop-plein. Voilà. Et on va en diffuser un peu partout. Donc ce matin, alors je vous explique, j'ai très mal dormi. Quand je suis comme ça, stressé par un truc, par un souci, un truc à régler, surtout avec mon fils ou mes enfants, voire avec d'autres, ça me met la tête en vrille. Et là, donc, on prend le plus foncé et on va faire un peu de contouring. Je ne sais plus où je l'ai mis. Donc j'ai très mal dormi, j'ai fait des cauchemars épouvantables. Je me suis levée plus fatiguée quand je me suis couchée. C'est pas grave. Si on ne sort pas, je fais la sieste. Je pense qu'on ne va pas sortir. Chérie a très mal aux os. Oh Florence, c'est compliqué dans ces histoires-là. Donc ce matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon fils pour lui dire le pourquoi du comment, j'irai pas. Oh purée, je savais hein, que j'allais te mettre au-dessus. Ouais, c'est quoi ces histoires encore hein. Bon, bref. Bien sûr, il s'est agacé, il s'est énervé. Et à un moment, et c'est ce qu'il ne fallait pas dire, il m'a dit,
Moi, j'en ai marre, ouais, c'est n'importe quoi. De toute façon, si j'ai plus mon permis, d'accord, mais comment je suis obligé de rouler, sinon je botte plus, je vis plus. Je dis oui, il fallait y penser avant, il fallait conduire correctement. Alors il me dit oui, mais bon, toi, bien sûr, depuis 6 ans que tu conduis plus, chérie, ça fait 8. Mais bon, tu peux avoir tous tes points, évidemment. Je dis Rémi, moi j'ai vécu avant toi, enfin, avant que tu aies ton permis. J'ai même jamais été arrêté pendant 10 ans que j'ai conduit. Donc, c'est que je conduisais correctement. Bon. Tout ceci. Ah, vous voyez, là, je vais prendre le clair de la palette. De cette palette, donc. Et que je vais, mettre sur mes paupières. Entièrement sur toute ma paupière, en remontant jusqu'au sourcil. Puisque je ne vais pas mettre de fard, je m'en vais. Pourtant, j'en ai la main pochette. Je ne peux pas en mettre. Et puis, donc, voilà, qui s'emballe. Il dit, écoute, Rémi, si tu n'avais pas déconné, hein, tu les aurais, tes points. Ouais, moi, je roule beaucoup. Je dis, Rémi, arrête. Parce que la plupart des infractions que tu as faites, c'était sur Lyon. Donc, ça n'a rien à voir avec ton travail. Ouais, mais je lui dis, bon, tu écoutes, tu me saoules. Et là, il me dit, bon, c'est comme ça. Ben, écoute, il me dit, mais on n'y va pas, ben, on n'y va pas. Et là, il me dit, je vous dis le truc à ne pas dire. Il me dit une phrase que je ne porte pas. Une phrase de racaille. Il m'a dit, ouais, ben, ta grand-mère là, Oh purée, on ne touche pas à ma grand-mère. Donc, je dis, alors là, Rémi, je te jure, t'as dit un truc qu'il ne fallait pas. Je dis, mais non, mais c'est une expression. Je dis, ben ouais, ben on réfléchit quand on est un peu intelligent. Je dis des choses que tu n'es pas. C'est vrai. Je dis, là, je fais un peu de bricolage. J'éclaircis les zones qui ont besoin d'être éclaircies. Je dis, t'as dit la chose qu'il ne fallait pas dire. Je dis, tu réfléchis aux expressions que tu utilises. T'es pas une racaille. Alors, s'il te plaît, arrête, hein, parle correctement. Ta mère essaie de parler le français le mieux possible. Le mieux possible. Attention, je ne suis pas une. Je ne suis pas irréprochable. Excuse-moi, je suis énervée. Ah, j'avais dû fermer le truc, je voulais faire encore une chose. Je vais prendre sur la même petite palette, donc qui est une palette teint, je vous rappelle. Prends le plus foncé pour faire mon creux de paupière. Simplement pour donner un peu de. Oula! Je crois qu'elle commence à être bien creusée, c'est tout dur. Mon pantalon. Oui, donc j'ai pris le pinceau d'un Yves Rocher du côté le plus fin. Alors j'ai utilisé le fluffy. Et là, je vais faire juste creuser un peu ma paupière. Avec du marron clair. Ouais, donc je lui dis, écoute, Rémi, on est marre. C'est bon. Allez, salut. Je lui dis, ne m'envoie pas le message, je ne m'appelle pas. C'est pas la peine, je ne répondrai pas. Donc après il m'a envoyé un message en disant ouais mais t'as pas compris, c'est une expression, c'était pas vers toi, envers toi. J'ai dit Rémi tu m'ennuies, c'est bon, stop. Voilà. Putain mais faites des gosses, merde. J'en ai marre de ces histoires, on est toujours obligé de se. Pourquoi est-ce que d'abord je suis obligé de me. Cherche le mot. Justifier. Je ne monte pas dans une voiture avec un garçon qui n'a pas le permis. Voilà. Bon, en même temps, je n'y avais pas pensé du tout. Si chérie ne m'avait pas. Là, je vais un peu flouter, hein, avec le côté flouteur. Si chérie ne m'avait pas alerté, figurez-vous que j'y avais même pas pensé. Honnêtement. C'est pas la première fois que je monte avec mon fils alors qu'il n'a pas le permis. Le soir, bon, on a fait un tout petit aller-retour puisque. Je me suis pété un câble encore une fois. Et je vous jure, j'y ai pas pensé. Si chérie me l'avait pas dit, et surtout s'il n'y avait pas ces embarras de fête de Noël, même dans le marché de Noël, pas le 15 août. Hein. Voilà, donc je suis agacée, j'en ai marre que ma vie soit pas plus simple. Bon, c'est bon, il y a des gens qui vivent plus compliqués, sûrement. Par exemple, il y a le Téléthon en ce moment. Je ne suis pas dans cette. Dans ce malheur-là, hein. Mais zut, 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 zut. Bon, là, on va faire un peu les sourcils.
parce que ça m'amuse, et j'ai retrouvé. Donc, mais vous l'avez, je crois que j'en ai déjà parlé plein de fois, et il me semble qu'il marche plus. Ah, si, il marche encore. Un crayon à un sourcil, le Brown Artist Expert de chez L'Oréal. Et on va juste travailler un peu les sourcils là, mais, je vais le faire hors caméra. Mais je vais pas couper, enfin, je vais mettre en pause. Reviens, elle et moi. Moi et moi. Bon, voilà. Alors, raté, bien sûr. Alors, en plus, figurez-vous qu'en faisant mes sourcils, bien entendu, à force de m'agacer, j'ai pété un bout du. Vous voyez là ? Un bout du crayon, hop, dans la poubelle, parce que sinon il s'est retrouvé dans mon décolleté copieux. Ça sert de garde-manger, comme disait mon papa à sa mère. Bon, je raconte un, mais je l'ai déjà. Et donc, avec l'autre bout du crayon, j'ai le coupillon. Et là, on va brosser. Vous voyez, là, j'ai trop monté. C'est pas grave. Ne me suivez pas, je vous ai déjà dit. Hein. C'est pas du tuto. Hein. Moi, c'est. Qu'est-ce que je fais, moi ? C'est qu'est-ce que je fais ? C'est ce que je fais dans la vie courante. En fait. Je pense que vous voyez mieux que moi ce que je fais. Vous pourriez me guider. Oui, ah oui. Voilà, je suis complètement paumée. Donc, il sera que mon fils est fini. On ne parle plus. Bah, ça cosy. Je vais faire avec. De toute façon, j'ai fait des enfants. C'est pour la vie. Voilà. D'ailleurs, c'est une chose. Voilà, je suis perdue. C'est une chose que je m'étais dite quand j'ai eu ma fille, ma Clémentine. Je me souviens très bien que quand je me suis réveillée et qu'elle est à côté de moi. Après la césarienne, je me suis dit, oh purée, là mon Dieu, j'étais heureuse comme une reine, bien sûr. Enfin, vous savez ce que c'est qu'un accouchement, ou pas d'ailleurs. Mais je me suis dit, t'en as pour la vie là. J'ai dit, là, c'est pas quelque chose que dont tu pourras te débarrasser. Avec mon ton rigolo, enfin je veux dire. Là, t'en as pris pour la vie, ma fille. Et ben oui, quand tu fais des enfants, il faut savoir que ça sera pas facile. En même temps, je pense que tu les fais pas pour que ce soit facile. Je sais pas si vous avez entendu, on va dire oui. Bon, on va dire que sourcils, ça va, mais ça va pas du tout. En même temps, je vois pas. On va finir le teint, parce qu'on a oublié. On a oublié, vous auriez pu me le dire. On a oublié le blush. Et on va utiliser le sublime blush de chez Chanel qui s'appelle le Joue Contraste. Je regarde si, oui, c'est 65 espiègles. Ça me va pas trop bien, ça. Il est sublime. Oh, cette lumière de merde. Ouais, tout m'énerve aujourd'hui. Bon, oui, c'est sale. Enfin, non, c'est pas sale, c'est de la poudre. C'est un rose. Comment tu peux dire ça ? Un rose poupée. Pas Barbie, mais non, pas un rose crétin. Voilà. Un rose pâle que je vais utiliser, tiens, on va mettre sur la tranche de mon nez puisque je l'ai sur le doigt. Voilà. Et j'ai le petit pinceau qui va bien avec. Estampillé Chanel, monsieur, dame, ouais. Donc on va en prendre sur le pinceau et là mon pull est en train de ramasser de la poudre. Enfin, je t'explique. Et donc on va mettre haut sur la pommette toujours pour lifter. Enfin, pour estimer qu'on lifte. Pas que ça marche. L'effet placebo. Ou la méthode Coué. T'y crois, t'y penses, t'y crois. Voilà, bon, je pense que c'est bien, mais je vois rien. J'en ai marre de moi, des fois. Mais bon, là aussi, j'en ai pris pour la vie avec moi-même. Mais je trouve qu'il y en a pas assez. Alors, on va en reprendre. Mais bon, il est très pâle. Je souris comme une bécasse. Ouais, donc. Ah oui, je voulais aussi vous parler de deux, trois achats que j'ai fait hier. Nous sommes allés, devinez où, à Auchan. Et malheureusement pour chérie, enfin, pas, en face d'Auchan, mais alors en sortant d'Auchan, pile poil en face, et vous avez Adot. Mais il a chiné le pinceau, comme ça, en promenant.
comme tes deux stars. Bon. Donc, j'ai dit, allez, je vais faire un tour chez Adobe. Allez, merde, mince, c'est chez Adobe. Et là, chez Adobe, j'ai trouvé deux doigts bricoles qui sont pas mal. La première, c'est en fait, je cherchais ça. Je voulais, ils font de l'acier doré, qui donc, normalement, tient bien. Je me suis trouvé, je voulais une petite corne comme ça. Je la voulais en doré, il ne l'avait pas, alors qu'il n'avait qu'en noir, comme ceci. Il est bien. Ouais, d'accord. Oh putain. Youtubeuse en papier mâché. Voilà, donc une petite corne noire en plastique, je pense. Attendez. Oui, la petite attache est dorée. Vous voyez, au centre. Là. Et donc, sur une chaînette dorée. Et je trouve que dans mon décolleté, ça va très bien. J'avais envie de ça. Et d'un truc qui dure un peu plus longtemps que les bijoux au champ, que j'aime beaucoup en soi. Hein. Au champ, qui habille, Cavailleux, ils sont peut-être un peu meilleurs, quoi, je suis pas sûr. Que j'achète d'habitude parce que c'est pas cher. Lui, il valait 12,99€. Bon, c'est sûr que c'est un peu plus cher que d'habitude, mais c'est dur. Et puis, j'adopte. À la caisse, bien sûr. Il y avait des jolis petits bracelets comme ceci. Alors vous avez argent ou or rose. Regardez ça, tout en petits strass. Et petites perles. Je trouve tout à fait ravissant. C'est un jonc. Je trouve qu'il est celui-là. Il scintille, le feu. Alors il paraît tout petit comme ça, mais c'est un jonc. Non, parce que moi j'ai des gros poignets, les gars. Regardez. Puis là, il y a tout mon bracelet déjà, que je ne les retire pas, cela. Le mettre, mais je pense qu'on verra pas mieux du reste. Ah ouais, il va largement bien. Finalement, je me crois plus grosse que je ne suis. C'est toujours l'espoir que je me donne. Un joli scintille. Regardez comme il est beau. Et j'essaie de le mettre dans la lumière pour que vous voyez. Bon, vous voyez rien. Bon, bref, voilà. Je trouve ravissant. 3,99€. À la caisse, hein. La trappe couillon. Bah ouais. Comme je suis une couillonne, je me fais attraper. Attendez, j'ai d'autres choses, parce que je vous arrêter là. Et je me suis payé une paire de boucles que je trouve sublime. Sauf que, bien sûr, c'est des clous. Et les clous. Chérie, c'est à toi de travailler. Bon, ce sont des boucles d'oreilles, comme ceci, pendantes, avec une. Oh, on va dire. Attendez, je vais employer des termes peu intelligents. Une plaque, j'aurais dû préparer ça, comme une petite, une feuille d'or, enfin de d'acier doré, mais pas régulière, irrégulière, voilà, avec, je n'avais pas vu, une petite perle là tout en haut, vous voyez. Là, il y a une petite perle, juste sous mon gros doigt. Et avec une perle, mais pas du tout ronde, totalement... irrégulière. Oh mon Dieu, c'est terrible ça. J'ai pas mis mon make-up en fait. Totalement irrégulière. On dirait une petite. Bon, on dirait de la nacre. C'est bien entendu, ça n'en est sûrement pas. Vu qu'elle était à 5€. Donc, j'en ai deux pour les 5€. C'est trop magnifique. Sublime. Ah ouais, je trouve qu'elles sont un chic, mon vieux. Sauf que je n'ai pas pu les mettre, j'ai pas eu envie de demander à chérie. Faites abstraction de celle-ci. Voilà. Ça aurait été trop joli avec mon pull. Je trouve que. Les fêtes, ça est joli, même sans les fêtes d'ailleurs. Moi, fête, pas fête, je mets ce que je veux quand je veux. Donc voilà. Et on a presque fini avec Adopt. J'ai pris deux flaconnettes. Pas du tout en plus, n'importe quoi. Ça, je les ai pris à Auchan. Et comme je les avais pris à Auchan avant, j'ai pas pris de parfum chez Adopt. Chez Auchan, ils font des petits parfums qui ressemblent vraiment à ceux de chez Adopt. Je crois qu'ils sont moins chers. Je m'en mets plus le prix, je les ai payés.
Tant mieux, parce que parmi les deux, il y a un cadeau. Ça s'appelle Unique Eau de Parfum. Ben, c'est quand même, hein, bon, une bonne contenance, dont ils nous disent que c'est un floral. 20 ml, donc avec le pchit-pchit, hein, c'est pas un roll-on, hein. Non. J'ai pris donc celui-là, et j'ai pris le musc blanc. Pareil, la même chose. Voilà. Ils font ça au champ, il faut les retrouver. Hein. C'est en face des déodorants, si toi ça vous intéresse. Ils sont super bons. Je ne sais pas encore lequel je vais garder, lequel je vais offrir. Ouais, non, mais je vais pas utiliser le flacon. Ben non, pas déconner non plus. Voilà, donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Alors, on va terminer avec le maquillage. Et là, c'est quoi ça? Ouais, bon, on va utiliser... On met du mascara. Et on va utiliser le Colossal de chez Maybelline. Le Colossal de chez Maybelline. Il n'y a rien écrit plus, hein. Je vais le mettre en direct avec vous. Aïe! Et voilà. Sinon, bon, mais après, juste après, je vais vous tourner une petite vidéo produit fini. Petite, je fais rentrer un petit. Mon cœur est grand. Ma bouche est grande. Mon expression est grande. Je dis n'importe quoi. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Oh, j'ai hâte d'être... Ben, déjà au 20 décembre, mon anniversaire. Ah oui, j'ai hâte d'être à mon anniversaire. Je vais avoir un cadeau. Bon, je sais ce que sera le cadeau, normalement, si Dieu vieux, hein? Il est vieux, Dieu, normalement, ah oui, il est vieux. Bref, bon, donc j'ai hâte d'être à mon anniversaire. À Noël, pas plus que ça, puisque, bien entendu, nous ne faisons rien. Ma fille n'est pas là, bien évidemment, mon fils. C'est hors de question de le voir pour Noël, de toute façon, Noël ne l'intéresse plus. Oui. C'est idiot, parce que je connais enfin, des musulmans qui font quand même Noël. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le Noël catholique, le Noël chrétien, pardon. Mais c'est le Noël pour les enfants, pour que, voilà, pour les gars, c'est... Alors on peut se poser la question, fait-on l'Aïd chez nous pour gâter les enfants? Oh, bon, on s'en fout, hein, à partir du moment où les gens sont heureux. Bon, on peut bien fêter Noël le 15 août si on en dit, tiens. Ah, ça serait rigolo, fêter Noël le 15 août. On met le bain sur la plage, comme à Rio, hein. Je me disperse comme d'habitude. Quand je suis énervée, je me disperse. Là, j'essaie de mettre dessus. Je pense qu'il sera très mal mis, mon mascara. Je me démonte la tête, là. Là, du coup, on va en mettre un tout petit peu en bas. Un chouille. Et puis donc, je disais que j'ai hâte que mes amis... Enfin, que j'espère que ce seront vraiment des amis, mais j'ai peu de doutes là-dessus. Viennent, parce que là... On va faire une... On leur prépare, entre guillemets, une petite fête, c'est-à-dire que... On va faire le Noël que nous n'aurons pas fait. Attention, si tu m'écoutes, toi qui dois venir, ne crois pas que ça sera champagne et foie gras tous les âges. Non. On fera comme on peut, mais de toute façon, on va bien se marrer. L'esprit de Noël sera là. C'est ça qui est bien dans Noël, c'est l'esprit. L'amitié, l'amour, la tendresse, la félicité. Parce quoi? Bon, c'est bien là, hein? Enfin, c'est bien. D'ailleurs, ils ont cartonné là. Oh, il est bien, mais il cartonne, les gars. Cartonne grave. Bon, c'est bien. Un petit peu de rouge à lèvres. C'était quoi ça? Ah oui, c'est pinceau, je sais pas. Oh là là, il y a un bordel.
J'ai perdu. Aïe, la souris est sur la couette. Ouais, j'y arrive encore, être très content. J'ai encore pris des trucs. Chaque fois, je fais cette connerie. Là, j'ai appuyé sur mon genou. Je vais faire mon contour des lèvres avec le Burgundy Lip Pencil de chez Étoile by Rouge J. J'en ai déjà parlé 25 fois. Bon, non, faut arrêter conneries, je rentre. Non, c'est bourdin, purée, ça fait 35 minutes. Il est midi et demi. Oh là là là. Normalement, le contour lèvres, on le fait par petites touches. Et voilà ce qu'on fait. On part de l'extérieur de la lèvre pour remonter vers l'arc de Cupidon. Moi, en général, je fais toujours l'inverse. Et puis là, le centre d'abord, et on reprend de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Pas descendre trop bas pour pas non plus faire encore plus tomber la lèvre qui tombe forcément par l'effet d'apesanteur du côté, mais quand même aller un peu loin pour pas non plus que ça fasse une bouche en cul de poule, quoi. Si on fait juste ça et là, tu as la bouche en cul de poule. Et puis là, je remplis avec le crayon. Voilà. C'est ce que j'aime bien. Et d'ailleurs, on pourrait s'arrêter là. Mais, parce qu'il y a toujours un mais avec Florence, mais je vais rajouter, et là, il faut que je retrouve le capuchon, et ça, c'est un... J'ai retrouvé, donc, mon gars. Oh, j'ai retrouvé. Je vais mettre par-dessus un lip balm. Un éclat minute, baume en bénisseur lèvres de chez Clarins. Tout à fait ravissant. Qui va nous embellir les lèvres, qui est en fait en forme. À chaque fois que je me fais avoir, je crois toujours que c'est une mousse. Or non, il est en forme de bâton de rouge à lèvres et on va le passer par-dessus. Coucou, je suis là. Ouais, regardez pas mes cheveux. Pourtant, ils sont propres là. Ils sont propres de ce matin. Mais pas recoiffés. Hop, pas encore recoiffés. Pour la deuxième vidéo, j'essaierai d'être coiffé. J'essaierai, les gars. Ah, je trouve ça excessivement joli. Foncé, mais joli. Et là, j'aurais pas mis de baume. Blush. Je l'aurais utilisé en blush. Parce qu'il a un rose tout à fait ravissant pour mettre en blush. Regarde comme il est joli. Non, tu ne feras pas. Je me remballe. Il est ravissant. Moi, je trouve ça très joli. Moi, je trouve ça très joli. Moi, je trouve ça très joli. Alors, attendez. Quand même que je me vois dans un état normal, je range. Ouais, je range pour que ça dérange. Oh. Vous faites quoi ce week-end? Comme moi, tous les week-ends, rien. Ah, j'aurais pu mettre de l'highlighter, j'en ai pas mis. Je me dis comme ça, ça ne ressemblait non plus à je sais pas quoi. Et en plus dans ma petite disette là. Oh purée, elle va pas la fermer. Ah ben bravo. C'est le bordel, Florence. C'est le bordel, comme d'habitude. Bon, ça, il faut que ça aille au lavage. Bon ben voilà. Moi j'aime bien, Bon, je passe à la seconde vidéo. Je vous embrasse, je vous aime. En plus, pensez à vous très fort. Pensez à moi très fort. Besoin d'amour. Besoin d'amour. Je passe à le thème. Bon.